allez bien? Là aujourd'hui, enfin ce matin, je prends à 9h, donc là il est 7h55. Bon, le matin, moi j'ai toujours, je fais toujours les mêmes étapes au même moment en fait. Donc je me lève, je déjeune, comme ça après j'ai le temps de bien digérer. Et j'aime pas déjeuner au dernier moment, enfin bref. Ma rentrée s'est bien passée, là je vous ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines parce que depuis la rentrée on a beaucoup de trucs les week-ends, j'avais mon rapport de stage à finir, là on a des dossiers de droit, enfin... On va la faire à la petite transition TikTok. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Qui me suit depuis l'année dernière, mais je suis toujours en week-end les jeudis, donc ça c'est cool. Et heureusement, parce que sinon j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je fais le week-end. Bon, je sais plus du tout quand j'ai laissé ce vlog. Là aujourd'hui, on est vendredi. Alors là, j'ai une dégaine qui. Ce matin, je me suis levée assez tôt puisque on devait venir remplacer un truc électrique chez moi. Enfin bref, la tranche horaire, c'est comme la poste. Tu devais passer entre 8h et midi. Du coup, je me suis levée. Enfin, j'ai mis un réveil à 7h45 au cas où il venait vraiment à 8h pour que finalement je me rendorme et que je me fasse réveiller par la sonnerie de mon appart. Quoi, je déteste me réveiller comme ça vraiment. Du coup, hier j'étais à Zara parce que j'avais fait une commande le week-end dernier. J'ai pris ce pantalon là mauve, un peu en couleur vieux jean comme ça là. Parce qu'en magasin j'en trouvais pas et il n'y a plus de cabine maintenant en plus, donc pour essayer c'est la galère. Mais voilà, j'aime bien, il taille bien, il est taille haute, j'ai pas besoin de mettre de ceinture et tout. Une chemise noire comme ça, toute simple en satin, c'est une chemise noire satinée. Je l'ai pris en S, franchement elle taille grande, donc si vous voulez pas un truc trop loose, prenez vraiment vos tailles quoi. Moi j'aurais dû peut-être prendre du XS, mais bon. Il y a cette chemise là blanche en popeline comme ça, moi j'ai la même en robe. Voilà, si vous me suivez sur Insta, toujours vous l'avez vu. Et ensuite ce que j'ai pris en magasin, alors il y a ce petit haut là un peu en bimatière. Alors, en fait le milieu là est en matière un peu coton quoi, enfin voilà c'est pas transparent quoi. Ensuite les manches sont en tulle comme ça, en organza. Et vraiment j'aime trop, donc bon je les mettrai, c'est pas un haut que je vais mettre tous les jours hein. Et puis j'ai pris ce sweat là blanc en molleton tout simple. Alors en fait il avait des épaulettes là mais que j'ai décousu parce que ça faisait vraiment épaule carrée, et vu que je l'ai pris en M, donc pour avoir un sweat un peu plus large, ça faisait vraiment genre épaule genre carré quoi, vraiment épaule carrée de ouf. Qui ont posé des questions sur mes ongles, parce que je sais que ça m'a été demandé sur Insta, donc je pense que ça va me demander ici. C'est des ongles avec des, pour la longueur c'est des capsules, après il y a du gel et du coup après la couleur. Je l'ai fait chez une fille sur Bourges, donc je vous mettrai son Insta en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, je suis très contente, franchement c'est tout ce que j'aime. J'ai pas encore été confrontée à des situations trop compliquées à part la canette. Parures de lit viennent de chez Ikea. Mais voilà, et sinon regardez mon bobo, ma blessure de guerre. Voilà, je me suis pris le coin de mon lit. Là on est le mercredi, donc bon, j'ai bien avancé ma semaine, j'avais pas mal de trucs à faire les soirs, donc j'ai pas du tout pu vloguer. Là je vous reprends puisque j'ai des choses à vous montrer. J'ai reçu entre temps un petit colis, le petit lunetier. J'avais déjà collaboré avec eux il y a quelques années. Cette fois je vais vous présenter les lunettes anti-lumière bleue. Vous savez ma passion pour les lunettes anti-lumière bleue. J'en fais une consommation excessive puisque je suis H24 sur les ordinateurs.
enfin sur les écrans en général. Je fais du coup des maux de tête assez régulièrement, et en plus avec la pilule ça n'arrange pas, pas plus en fait, parce que ça accentue mes maux de tête. J'en ai reçu 3 paires, là je vais vous en présenter 2 puisque la troisième paire je l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai le modèle en barre d'infos. Ils ont une boutique sur Paris, c'est des produits qui sont certifiés sans nickel, plomb, etc, c'est aux normes, enfin voilà, des lunettes qui fonctionnent. Vous pouvez quand même commander les lunettes, même si vous avez une vue spécifique, vous avez une option sur le site pour essayer les lunettes virtuellement. Voilà. Du coup, j'ai un code promo pour vous. Si vous voulez aussi commander des lunettes sur ce site, moi je vous y recommande à 100%. J'ai pas de choses négatives à dire de ce côté-là. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que vous recevez toujours dans des petites pochettes comme ça. Voilà la première paire. Elles sont toujours très bien emballées. Moi, c'est que j'ai tout enlevé. Oh, c'est ma préférée, je l'aime trop. J'aime bien, d'habitude je suis pas trop fan, mais là du coup je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Voilà, je sais qu'avec la rentrée et tout, il y en a où vous travaillez sur vos ordi, etc. Donc vraiment c'est hyper efficace, parce que moi je vois complètement la différence quand j'utilise des lunettes anti-lumière bleue toute une journée et quand j'en utilise pas. Hello à tous, bon on se retrouve, je suis en week-end, on est jeudi soir, il est bientôt 21h. Je vous retrouve, j'ai changé mes ongles, j'étais faire mes ongles tout à l'heure. Voilà, c'est des ongles couleur naturelle, j'ai gardé la même longueur, sauf qu'au bout en fait c'est un peu une French couleur. Orange. Voilà du coup d'ensemble ma chambre, j'ai de la chance hein, franchement je vais pas cracher dessus. Là du coup on a une on a un portant, alors je saurais pas vous dire d'où il vient. Voilà, là je mets mes vestes uniquement. Du coup ce portant il vient de chez Ikea, c'est l'un des moins chers, il me semble, très pratique à monter, etc, mais il bouge pas. Ensuite nous avons ce joli miroir que des fois je change de place et que je mets ici parce qu'il est face à la lumière, comme ça pour prendre les photos c'est plus pratique. Et en fait ce qui est pratique c'est que derrière vous pouvez accrocher des trucs, là il y a mes affaires de sport, et là vous voyez vous pouvez mettre des colliers, des bracelets. Là nous avons une case comme ça très connue chez Ikea, moi je l'ai eu à moins 50% au coin des bonnes affaires. Et mon lit c'est un Ikea aussi, franchement je suis très contente, je dors très bien dedans. Alors des fois quand j'ouvre mon Velux et qu'il y a du vent, il fait du bruit parce que là il y a des trucs en métal, donc il est vraiment trop beau. J'ai de la chance parce que j'avais déjà un clou dans la chambre, c'est pas moi qui l'ai fait, il y avait déjà un clou. Du coup, voilà. Mais il est vraiment trop joli, un peu doré comme ça. Il vient de chez Maison du Monde, vous en avez des super beaux. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais finir ce vlog là parce qu'après je vais rentrer. En ce moment, je vais pas vous cacher, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à être productive sur YouTube, les réseaux, etc. Donc on verra. Voilà, j'espère quand même que ça vous fera plaisir. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous.